Les mauvaises herbes sont l'un des facteurs qui réduisent le rendement rizicole à Madagascar. Les pertes de rendement peuvent varier de 28 à 80% sans lutte contre les mauvaises herbes. Les riziculteurs comptent principalement sur le désherbage manuel ou mécanique pour réduire ces pertes. Cependant, ces pratiques nécessitent beaucoup de main-d'œuvre et de temps. Pour remédier à ces contraintes, de sarcleuses motorisées à double rangée pour la riziculture irriguée, venant de Tanzanie, ont été importées à Madagascar pour être testées dans la zone rizicole de Menabe. L'une de ces sarcleuses a été amenée dans la commune rurale d'Akilzat en mois de février 2021 pour conduire l'essai avec les riziculteurs de la zone. L'essai a effectué pendant 2 saisons de culture successives avec le support des techniciens de la AD2M. Au total, 89 participants ont testé la sarcleuse motorisée, dont 54 participaient lors de la première saison et 35 paysans pour la deuxième saison. Plus de 60% d'entre eux sont des femmes et des jeunes. Leurs retours ont été généralement positifs. 70% d'entre eux considéraient que l'utilisation de la machine est rentable, facile à utiliser et rapide pour désherber, tandis que 30% insistaient sur le coût d'acquisition de la machine une fois disponible. De plus, ils ont évoqué quelques suggestions pour l'amélioration de la machine. Ces suggestions concernaient principalement sur la possibilité d'ajustement de l'écartement de sarclage et la réduction du poids de la machine. Voici l'un des participants expliquant ce qu'elle a appris lors de l'essai du premier sarclage et du second sarclage. Andrina faharoa anity sarcleuse mandeha moteur ity. Efa nanao andrina voalohany zahay tamin'ny ity sarcleuse mandeha moteur ity fa mbola sarotratra tamin'ny voalohany satria mbola voalohany. Fa androany zahay namerina andrina faharoa de efa ifainay amizay manao anle izy efa mora efa satria maivana. Le izy koa tsy de sarotra ianarana fa mora ianarana ihany. De tsara le miava amle sarcleuse mandeha moteur satria voadiady tsara le fototrin'le vary sady afaka tsara le hydraty. Ankotran'izay koa mba malakilaky koa le mampiasa an'ity sarcleuse moteur ity, malakilaky vita le asa raha ampitahana amle sarcleuse tsotra le hazo reny. De mety mampiena ianany dépense ihany koa. Maniry koa aloha zahay hanana sy ampiasa an'ity sarcleuse moteur ity raha ohatra ka mba azonay atao ny vidiny. Madame Pascaline et Monsieur Alfred aussi disent comme Madame Christine. Ils sont satisfaits de la machine et aimeraient l'obtenir aussi. Lors des 2 saisons d'essai, AfricaRice, en partenariat avec Fofifa et AD2M, recueillait des feedbacks à travers un questionnaire auprès des participants et du fabricant local. Ce dernier a développé la sarcleuse pour adapter aux conditions locales et aux préférences des agriculteurs. Ici présent, l'interview avec le fabricant local M. Elodie, qui explique les modifications entreprises avec la machine et son avis à propos de celle-ci, ainsi que la possibilité de fabrication au niveau local. Le nazy dorsinina tsy mety reglena amle hoe espace na 18-16 fa lasa mampiasa 22 ihany de nanamboatra le garde-boue zany aho afaka anamboarana le sarcleuse ou atao 18 à 16 de le sarcleuse zany a mety be fa le olona zany a tena mora ny mampianatra anazy a sy mampiasa anazy ary vetivety le fampiasana ny fiavana vary amin'ny sarcleuse ary le sarcleuse koa zany a mafita bebe anao a manao sarcleuse amin'ny tanana ampiasana amin'ny tanana satsia le mandeha motera vetivety anao a dia mafita ary le izy koa tsy dia mikosomo fa manome rendement zany anao raha mampiasa anazy satsia mampimotsy anao zany hoe manarama sarcleuse tanana hoe eo amin'ny herinandro dia nefa ny vita indray andro aminazy dia le izy koa raha manarama anao zany hoe andeha hoe anarama olona tokony eo amin'ny valerana hoe efa tsala no ampiasanao le avatanana dia nefany a amin'ireo ohatry hoe hividy carburant anao dia mety eo amin'ny carburant na 500 na 10,000 eo ihany dia mahafinaritra zany izy tsara ary mety amin'ny tatsaha mihitsy fa ny vidiny ny tian'ny olona ho fantatra sy Oufidiny zany afantarany an'le vidiny ary fa efa betabe zany le olona hoe manontany an'le sarcleuse hoe ahoana ty sarcleuse ty misy ve sa ahoana sa dia za indray zany mila olona ho namako amin'le fividianan'le motera sy satsia za mahavita anamboatra an'le carte de bouche le mombamomba anazy. À partir des résultats de l'essai, la consommation en essence est d'environ 8 litres par hectare. Et la machine peut sarcler 0,5 hectare par jour. Pour conclure, les sarcleuses motorisées peuvent aider les paysans pour leur activité de désherbage. En termes de gains, elle peut réduire la quantité du travail et les dépenses nécessaires pour l'activité. De plus, elle facilite la vie des femmes et des enfants qui s'occupent principalement du désherbage. Alors, la disponibilité de cette machine sur les marchés locaux est très importante. Les paysans aussi sont très enthousiastes pour acheter et utiliser cette sarcleuse motorisée.